De la trilogie de Fantômas dans les années 60 à celle de Camping un demi-siècle plus tard, chaque génération gardera un souvenir de Mylène de Mongeau, actrice appréciée du public et disparue à l'âge de 87 ans ce jeudi 1er décembre, après 70 ans de carrière. L'actrice qui ne s'est pas contentée au cinéma populaire, qui l'a rendue célèbre, aura tourné au total près de 70 films, aussi bien avec Jean Marais, Yves Montand que Roger Moore ou encore Franck Dubosc. C'est sous les traits de Laurette Picq, femme de l'illustre Jackie Picq, interprétée par Claude Brasseur, que Mylène de Mongeau a tourné auprès du célèbre humoriste français dans les trois volets de Camping. Touché par sa disparition, Franck Dubosc a publié ce jeudi après-midi un post Instagram avec un message pour rendre hommage à la grande actrice. Un message court et sobre qui dit beaucoup de la complicité que nouaient les deux acteurs. Au revoir Mylène, on en aura pris des apéros.